Yo tout le monde, c'est Chourou, du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo aujourd'hui les gars, je vais vous présenter mon équipement de moto. Ça y est, j'ai reçu tout pour vous faire des motovlogs. Du coup je vous présente tout l'équipement, je vous présente tout. Moi comme ça demain je peux vous faire un motovlog tranquillement. Bah un motovlog, on peut pas appeler ça un motovlog, mais je vais vous faire des vidéos en moto filmées depuis mon casque directement, c'est simple, efficace et pas cher. Du coup pour tous ceux qui veulent plus de vidéos moto, les 200 likes ça me ferait extrêmement plaisir. Pour tous les nouveaux, un maximum d'abonnements. Pour tous ceux qui sont déjà abonnés, la cloche tous les jours à 15h une nouvelle vidéo, on essaye de tenir. Même si là je suis en train de tourner, je sais même pas quelle heure il est très tard. Mes parents ils dorment, du coup il y a moyen de m'entendre. C'est pour ça que je vais éviter de parler fort dans cette vidéo là. Aujourd'hui je vais vous présenter tous mes équipements, vous allez voir quand même que j'ai pas mal d'équipements. En vrai je commence à avoir un bon setup moto. Il y a aussi des trucs qui sont sur ma moto, on peut pas appeler ça des équipements mais des accessoires. Du coup si vous voulez une vidéo où je vous présente mes accessoires pour rouler en moto, pour être plus à l'aise sur la moto, vous mettez les 200 likes, vous me dites dans les commentaires et je vous ferai ça directement. Je vous propose c'est qu'on commence directement la vidéo, c'est parti. Ok, déjà pour tous ceux qui les ont suivis, je me suis cassé un rétro et là j'ai reçu déjà les nouveaux rétros. Regardez, ils sont pas mal. Je vais même vous filmer. Regardez, on voit même l'éclairage et tout ça. Vraiment stylé, il y a même un postillon dessus, un postillon bonus. Du coup, il faut que je les monte sur ma moto, mais bon, là ce soir j'ai pas eu le temps. Je préfère vous tourner la vidéo. Ça, c'est pas un équipement, mais au moins je vous montre que j'ai changé les rétros vu que je m'étais cassé la gueule. De toute façon, je vous ai créé une playlist spéciale moto pour tous ceux qui sont fans de moto, qui veulent regarder que les vidéos moto. Je vous ai mis une playlist. Je vous la mettrai dans la description de la playlist. On va commencer du moins important au plus important. C'est parti. Bon, par contre, il y a des trucs, c'est possible que j'ai plus les références ou quoi. Du coup, je vous essayerai de vous retrouver ça dans la description. Je vous mettrai tout dans la description. Sachant que la moitié des trucs qui viennent d'Amazon ou de Cdiscount. Déjà là, pour commencer, des gants homologués avec des coquilles juste ici, de grosses coquilles. Là, on a une petite coquille, du coup ils sont homologués, bah je pense, mais il n'y a pas l'étiquette homologuée. Mais bon, en tout cas, si je me fais contrôler, je montre qu'il y a des coquilles, du coup c'est homologué logiquement d'après ce que j'ai compris. Du coup, c'est des gants tout simples, taille L. C'est des quelles marques? Des Riding Tube, je sais pas trop quoi. Je vous mettrai dans la description dans tous les cas. Paire de gants simples avec des petits caoutchoucs pour renforcer. Je suis essoufflé parce que j'ai monté des escaliers, je suis allé là-bas. En fait, je suis essoufflé pour rien. En plus, j'ai mis un truc qui fait chaud de ouf avec l'éclairage. Avant, j'avais froid, j'ai mis un truc, maintenant j'ai hyper chaud. On passe aux choses suivantes, les chaussures, bah les bottes montantes. Forcément, pour passer le permis, il fallait que j'ai des bottes montantes, mais je vais pas vous cacher que maintenant je les utilise jamais, mais je les présente quand même. Du coup, des bottes toutes simples. En plus, ils sont pas du tout confortables parce que vous voyez là, genre ça monte haut et ça aussi. Du coup, je pouvais même pas les fermer jusqu'en haut, mais ça va, j'ai réussi à passer avec ça. Mais c'est pas du tout confortable. Genre, dès que tu veux marcher, ça fait mal, ça appuie, c'est horrible. Les pires chaussures, si je vous conseille pas ça, je vous le mettrai même pas en description parce que vraiment c'est de la merde. Je vous conseille pas du tout. Mais moi, ce que je roule maintenant, c'est avec des Nike toutes simples, des Nike vieilles. Hein, par contre, ils sont usés. Là, je les ai recollés et tout, mais ça va tout seul, c'est confortable. On sent bien les commandes, genre le sélecteur et le frein arrière, on les sent bien. Du coup, c'est nickel, surtout pour faire des gros wheeling. C'est faux, je la lève pas parce qu'elle est trop lourde. Passons directement à la chose suivante. En vrai, ça va être une vidéo courte mais rapide, et au moins comme ça, vous aurez pourquoi pas tout l'équipement. Là, on passe au truc suivant. Du coup, c'est tout simplement un blouson. Bah, en fait, c'est pas un blouson, c'est des coquilles qui se mettent en dessous d'un pull ou quelque chose comme ça. Là, il y a la dorsale, là c'est pour les bras, etc. Ça, je l'utilise pour mettre sous un pull, genre quand je vais dans des chemins de terre, etc. Ça s'appelle un pare-pierre, au moins comme ça, si je me prends un caillou ou quoi, bah directement c'est protégé. Elle commence à être un peu petite pour moi, mais ça va. Ça, je l'ai acheté une vingtaine d'euros sur Amazon, du coup ça vaut vraiment le coup. Genre, ça tient pas chaud, tu mets ça en dessous d'un pull, ça va nickel, ça se voit pas. On dirait juste que t'es musclé et ça rend bien en vrai. Pour ceux qui veulent aller dans les chemins ou qu'ils ont une petite dirt ou un truc du genre, c'est ce que je vous conseille, au moins ça vous protège. Mais ce que j'utilise H24 par contre, sans mettre de pull, parce que je mets rarement des pulls vu qu'il fait chaud en été, c'est un blouson. Comme ça, hyper léger, il est hyper bien en vrai. Là, il y a des protections juste ici pour les coudes. Là, on peut voir que j'étais tombé, c'était sur ce coude là, mais je sais pas si ça se voit à la caméra. Là, il y a pour les épaules aussi. Bon, c'est rare que je pense qu'on tombe sur des épaules. Bah, après, c'est rare qu'on tombe tout court en fait. C'est pareil sur l'autre bras. Et à l'arrière, il y a une petite dorsale, mais une dorsale en mousse. Genre, je sais pas si ça protège vraiment. Dites-moi dans les commentaires si ça protège vraiment une dorsale en mousse. Ça m'étonnerait, mais je crois que je peux la remplacer. Ouais, je peux la remplacer. Regardez, je vais même vous montrer à quoi elle ressemble. Ah non, je peux pas la remplacer. Ah si, là, genre, ouais, c'est un truc en mousse. Regardez comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir, mais genre, c'est de la mousse. On va le remettre, sinon je vais pas le sortir entièrement, sinon je vais jamais réussir à le remettre. Déjà c'est la galère, oh là là, pourquoi je l'ai démonté. Et là maintenant on va finir par le truc le plus intéressant, le plus, bah, ce qui sécurise, ce qui est obligatoire. Bah même les gants c'est obligatoire en vrai, mais là on va parler du casque. J'ai tellement d'accessoires en plus sur le casque. Là vous voyez déjà il y a un intercom, une GoPro, un micro. C'est le casque le plus rempli de technologies qui existe. Du coup c'est un casque modulaire. Puis là c'est un Aston RT1200. Il est vraiment pas mal, tac tac, modulaire. En fait ça je m'en sers jamais, hein. Vraiment je roule jamais comme ça. Mais en gros pour l'enfiler ça va tout seul vu que ça peut s'écarter un minimum. Du coup moi je kiffe, vraiment c'est un kiff. Avec la GoPro ça gêne pas parce que regardez je l'ai mis sur la face avant. Au moins comme ça directement ça module avec. Le micro il est juste à l'intérieur, je sais pas si on va le voir. Du micro cravate qui se met. Et j'ai fait un système où j'ai juste à coller la mousse du micro. Moi je peux retirer toute la GoPro plus le micro, il n'y a pas de fil qui pend. Et sur le côté ici on a un petit intercom LXBF, je sais pas quoi. Je vous mettrai en description, il a coûté 100€. Il est nickel en vrai, il est parfait, il y a un bon son et tout. T'as même deux micros de fournir, un micro pour un casque modulaire, mais je l'ai pas mis. En vrai moi ça me sert à rien. Le seul défaut que je pourrais citer sur ce casque là, c'est déjà la visière, on peut pas en avoir une teintée. Sauf si vous avez dans les commentaires, je suis preneur pour une vitre teintée. Mais en vrai j'ai essayé de chercher, ils font que teinter à 70%. Dites-moi dans les commentaires si c'est bien. Je connais pas trop. Et aussi les fixations, genre à force de le moduler, il a un peu de mal, il grince, écoutez.
Mais après, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce casque en vrai. Après, il y a même des lunettes de soleil. Du coup, c'est pas mal. Voilà, lunettes de soleil, je sais pas si on va avoir. Attendez, je vais ouvrir la visière. Tac, tac. En vrai, il est vraiment pas mal comme casque. C'est pour ça que j'ai pris celui-là. De base, je voulais un casque de motocross. Je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble avec des lunettes, etc. Mais au final, j'ai pris ça. Vu que mon père il avait déjà ça, je pouvais mettre l'intercom, la GoPro. Je pouvais tout mettre. Je me suis dit pourquoi pas. On arrive sur la fin de la vidéo. Je vous ai présenté tout l'équipement. Du coup, si vous voulez une présentation de tous les accessoires que j'ai mis sur ma moto, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. On se retrouve demain à 15h pour une nouvelle vidéo. Les likes, l'abonnement, ça fait plaisir. Ciao. Slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right?